Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des fractions. Alors les pauvres CM1, vraiment, j'ai des élèves en CM1 et c'est assez catastrophique. Ils commencent les fractions avant de faire les divisions. Alors que au niveau des synonymes, fractionner, partager, diviser, c'est la même chose. Donc en fait, il y a des choses, ils font des choses qui sont assez compliquées. Ils commencent par la représentation d'une fraction. Et je trouve ça très compliqué. Moi, j'ai une méthode et je termine par la représentation d'une fraction. Donc, pour eux, je vais essayer de leur montrer à ma manière ce qu'ils doivent comprendre. Allons-y. Donc, 10 quarts, 10 divisé par 4. C'est exactement cette écriture. 10,0, puisque 10 c'est aussi 10,0 divisé par 4. Donc, diviser, c'est chercher combien il y a de paquets de 4 dans 10. Donc, dans 10, hop, il y a 2 paquets de 4. Et il reste 2. Donc, on peut même le faire, on met un petit 2 ici, on voit notre virgule, on la baisse. Dans 20, donc, on manipule, combien il y aurait de paquets de 4? Il y en a 5. Donc, on sait que 10 divisé par 4, c'est 2,5. Comment représenter ça avec des fractions? Donc, nous allons faire plus de deux gâteaux. Donc, 1, 2 et 3. Voilà. Nous allons, et ça c'est important, ça va être le nombre de parts par gâteau. Donc, nous allons tous les partager en 4. Donc voilà, bien entendu. Et ça va être le nombre de parts que l'on va prendre. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entendu. Ce qu'il faut comprendre essentiellement avec les fractions, c'est que ça représente une quantité. Et nous avons plusieurs manières d'écrire cette quantité. Nous pouvons très bien dire que 10, c'est 2 fois 5. Et 2, et 4, pardon, c'est 2 fois 2. Or, 2 divisé par 2, ça fait 1. Du coup, on peut simplifier. Ça fait 5 sur 2. Si nous faisons la même chose, 5,0 divisé par 2, donc dans 5, combien nous mettons de paquets de 2? Eh bien, nous en mettons 2. Et il reste 1. On voit notre virgule, on la baisse. Dans 10, combien nous mettons de paquets de 2? Nous en mettons 5. Nous avons la même quantité. 10 sur 4 représente, 5 sur 2 représente 2,5. Là encore, nous allons faire une représentation pour bien voir ce que c'est. Donc nous allons faire, là encore, 3 gâteaux. Alors, cette fois-ci, nous allons les partager. Chaque gâteau sera partagé en deux. Voilà. Et nous allons en prendre 5. Donc, nous prenons 5 parts. 1, 2, 3, 4 et 5. Et qu'est-ce que nous constatons? Que ce soit ici ou ici, c'est la même quantité que nous avons coloriée en vert. Donc c'est très très embêtant, à mon sens, de commencer les fractions avant de commencer les divisions. Bonne journée, au revoir.